Antoine Mokid, c'est l'histoire de Mohamed El Gorani, qui est un héros déjà, entre guillemets, un héros déjà un peu connu, puisque on considère qu'il a été le plus jeune prisonnier de Guantanamo au moment de son arrestation, juste après le 11 septembre 2001. Donc c'était un enfant, plutôt un adolescent, dans cette prison extrêmement dure et tout à fait hors la loi, et qui donc a passé 8 ans à Guantanamo. Avant, pour des raisons absurdes, avant qu'il soit totalement innocenté par un tribunal américain, grâce à un gros travail de ses avocats. C'est aussi un garçon, donc adolescent à Guantanamo, qui a été constamment en rébellion contre les gardes et contre le système en général et son absurdité. Donc un personnage assez extraordinaire, parce que malgré les risques et les punitions sans cesse, il n'a jamais cessé non plus de se rebeller et de se révolter. Pour lui-même et pour ses camarades, c'est aussi quelqu'un de très fraternel, qui était lui-même un petit frère, mais aussi parfois tout simplement un frère ou un grand frère pour les autres détenus, et parfois aussi qui réussissait même à nouer des amitiés avec des gardes qui étaient choqués par ce système carcéral. Et puis c'est aussi quelqu'un c'est aussi un personnage qui raconte son histoire, puisque la bande dessinée est entièrement vraie, elle est racontée telle que lui la raconte, tel que j'ai recueilli son histoire de sa bouche. Et donc c'est aussi quelqu'un qui raconte cette histoire avec beaucoup d'humour et d'ironie sur le système. Et c'est ce qui aussi nous permet de parfois même de rire avec lui, avec un peu d'humour noir, de tout ce qui pouvait lui arriver, à la fois de violent, mais aussi parfois d'absurde. C'est l'histoire de sa vie, tout simplement, donc avec tout ce qu'il peut y avoir comme moment de grâce et de disgrâce. L'histoire de la rencontre, c'est qu'en fait, il était déjà un peu connu, même quand il était à Guantanamo, parce que voyant qu'il y avait des prisonniers mineurs à Guantanamo et que lui était parmi les plus jeunes, les avocats, quand ils ont eu le droit d'accès à Guantanamo à partir de 2004, l'ont choisi comme un des cas prioritaires. Et c'est pour ça qu'il est aussi l'un des rares à avoir eu droit à un véritable procès. Les avocats avaient déjà fait sortir des bribes de son histoire, malgré la censure américaine. Mais aucun journaliste ne l'avait rencontré, seulement des avocats. Et à sa sortie, il y avait en 2009, très peu d'anciens détenus. Il y en avait déjà un certain nombre de libérés, mais très peu avaient raconté leur histoire, même si plusieurs avaient le désir de le faire. Et donc à ce moment-là, son cas avait été repéré notamment par un journaliste américain, assez connu, assez qualifié, et qui a voulu aller le rencontrer au Tchad, parce que, bien qu'étant né en Arabie Saoudite, Mohamed est d'origine tchadienne, et à sa libération, l'Arabie Saoudite a refusé de le reprendre. Donc les États-Unis ont fait un arrangement avec le Tchad, et il a été transféré au Tchad. Et donc, comme moi je travaillais beaucoup au Tchad à l'époque déjà, ce journaliste m'a demandé si j'avais entendu parler de l'histoire, et s'il pensait qu'elle valait le coup, tout simplement. Et donc j'ai commencé à me renseigner à N'Djamena, où Mohamed n'était pas forcément une star, mais quand même son cas n'était pas non plus passé inaperçu. Et du coup, là-bas, je lui ai répondu au journaliste que oui, l'histoire en valait vraiment la peine. Et lui, finalement, a renoncé à l'affaire. Peut-être qu'il a trouvé que c'était compliqué de travailler au Tchad pour lui. Peut-être que le journal pour lequel il travaillait, je ne sais plus si c'était le New Yorker ou le New York Times Magazine, a jugé que c'était trop compliqué ou que ça n'en valait pas la peine. En tout cas, ça en valait vraiment la peine, moi je le sentais, et je lui ai demandé la permission de reprendre l'histoire dans la mesure où il ne la faisait pas. Et il m'a dit oui, bien sûr, vas-y. Et donc j'ai commencé comme ça à essayer de contacter Mohamed, et ce qui n'a pas été très facile, mais j'ai pu y arriver. Et puis surtout à essayer de le convaincre que ça valait le coup de me raconter son histoire pour la publier. Et donc voilà, je l'ai convaincu et on s'est lié d'amitié. Et c'est comme ça un petit peu que le livre est né. Ça a pris du temps, ça a pris des années pour arriver à transformer cette histoire et les articles de presse qui en sont issus en un livre, et plus spécifiquement une bande dessinée. Ça a été un long travail déjà pour trouver un éditeur, pour trouver un dessinateur qui accepte de s'embarquer dans cette aventure qui est quand même un peu hors norme, même dans le milieu de la BD. Mon idée, c'était de raconter l'histoire. À l'époque, en 2009-2010, il y avait déjà des bandes dessinées basées sur des faits réels ou de reportages. Il y avait Guibert, il y avait Joe Sacco, mais ça restait embryonnaire, un peu expérimental, parfois un peu dans un entre-deux,
Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire basculer, enfin, je voulais raconter l'histoire vraie, de manière la plus brute, vérifiée, précise et exacte possible. Parce que Guantanamo, c'est pas n'importe quelle histoire, c'est une histoire qui a, notamment aux États-Unis, dans l'administration et même dans le public, qui a ses négationnistes en fait. Donc il fallait pouvoir leur opposer une histoire absolument vraie et pas qu'ils puissent s'engouffrer dans des brèches où la vérité n'est pas tout à fait établie, où elle est trop scénarisée, trop fictionnalisée. Donc c'est pour ça que l'enjeu était fort à ce niveau-là. Donc moi, je voulais pas forcément en faire une BD, mais j'ai une amie et collègue qui, déjà à l'époque et aujourd'hui encore, travaille à Amnesty International et s'est occupée de faire qu'Amnesty International puisse utiliser les livres comme un médium et aider à faire des livres sur des sujets pour lesquels il n'est pas forcément facile de convaincre un éditeur que oui, ça peut trouver son public. Donc c'est elle qui a commencé à l'époque à faire des bandes dessinées et qui m'a dit ça ferait une bonne bande dessinée. Moi j'adore la bande dessinée, donc j'ai dit tout de suite ben, génial, si tu crois que c'est possible d'en faire une bande dessinée, allons-y. Et donc c'est comme ça que l'idée est venue. Bon, ça m'a tout de suite enthousiasmé. La BD, en plus, j'ai senti que c'était une occasion de toucher un public différent de la presse, y compris un public peut-être plus jeune. Parce que Mohamed lui-même souhaitait raconter son histoire à des gens qui auraient un lectorat qui aurait son âge quand il était à Guantanamo, donc des adolescents ou des jeunes gens. Et donc, j'ai senti qu'il y avait vraiment une opportunité pour faire quelque chose et même avec un peu d'ambition pour expérimenter un peu aussi, hein, comme d'autres ont pu le faire, et tenter vraiment de faire basculer la bande dessinée dans un univers journalistique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire où on s'interdise, où tout soit totalement authentique, où on s'interdise d'imaginer les trous, où tout, et effectivement c'est le cas dans cette bande dessinée, tout est raconté par Mohamed lui-même, et on n'a pas eu à changer une virgule, c'est l'histoire telle que lui la raconte et telle qu'il s'en souvient. Et nous, après j'ai aussi vérifié les faits avec lui et avec d'autres sources, confirmer son authenticité, corriger d'éventuelles approximations dues à une mauvaise compréhension de ma part de certains faits ou un flou de sa propre mémoire. Et donc c'est comme ça qu'on a pu arriver à un petit peu ce produit-là, un peu totalement vrai, quoi. En fait, quand Dargo m'a proposé le projet, ils ont déjà eu une sorte d'argument massu. Ils m'ont dit « c'est un projet qu'on a proposé à Baudouin, à Emmanuel Guibert et à David B. » Et pour des raisons diverses, ils ont refusé. Alors moi, quand on m'a dit ça, je pouvais qu'accepter finalement. C'était, parce qu'après, je pouvais m'en vanter, c'est ce que je fais. Voilà, je me vante d'avoir accepté le projet qu'ils ont refusé. J'ai rencontré Jérôme Tubiana et Pauline Mermet, l'éditrice de Dargo. C'était des gens sympathiques. Dargo, c'est une très bonne maison. J'étais très content de travailler avec eux. Et en lisant le scénario, il m'a semblé que ça pouvait faire une bonne bande dessinée. Oui, beaucoup de recherches d'images sur Internet. Pour Guantanamo, il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout des photos de propagande en fait, qui émanent de l'armée américaine, qui photographient la cellule... La cellule modèle, en fait, donc sans détenus, propre, fraîche, bien nettoyée, avec aligné sur la banquette tous les petits objets comme on trouve dans les chambres d'hôtel quand on arrive, pour expliquer le shampoing, le dentifrice, les pantoufles, la revue. Presque, il n'y a pas la télé, donc mais il manque que ça, pour expliquer que les détenus sont bien traités. Donc on a ça comme photo des cellules, on n'a pas tellement des photos d'extérieur des camps, donc ça on ne le met pas, on ne le dessine pas. Sauf quand on en a une. Il y a eu quelques films américains quand même qui reconstituaient le camp Delta, donc là on pouvait dessiner ça. Et puis pour la séquence africaine, parce qu'une fois qu'il est libéré, il y a pas mal de déambulations en Afrique qu'on a voulu raconter parce qu'elles sont très intéressantes. Là c'est plus facile d'avoir des images, on trouve tout ce qu'on veut en matière de documentation sur Internet. C'est pas vraiment de l'autocensure, mais disons c'est plutôt de la réticence. Je me suis dit que j'allais pas dessiner ça. On évoque juste, enfin à un moment il y a une brûlure de cigarette, donc ça j'ai dessiné parce que bon ça va. Enfin c'est degré, c'est en bas de l'échelle.
il raconte qu'il est torturé à l'électricité, donc ça, moi j'ai demandé à Jérôme quand ça se passait, il me dit on branche des électrodes sur les orteils. Donc voilà, j'ai juste dessiné ça, j'ai pas montré après quoi, parce que ça je sais, je peux pas dessiner, je m'avais pas dessiné ça. Là, ça ça devenait un petit peu macabre, malsain, que sais-je, complaisant, donc ça, non. Je me suis posé la question pour une scène où il fait une tentative de suicide par pendaison. En fait, il s'accroche au plafond de sa cellule, et ça, je me suis demandé si je le dessinais. Et puis je l'ai fait, et puis, puis je crois que ça m'a, c'est une page qui fonctionne bien. Donc parfois, il faut... En le faisant, je me disais peut-être que Alexandre, quand même, t'es un peu complaisant, ça va être racoleur, tout ça, cette scène. Et puis en fait, non, ça marche, donc on ne peut pas vraiment savoir à l'avance. On essaye, si ça n'avait pas marché, on l'aurait peut-être supprimé, mais celle-là, elle va, elle a du sens, voilà. Mais les tortures, on n'a pas dessiné, il y avait toutes sortes de raffinements, quoi, mais on n'a pas dessiné ça. Moi, j'ai abordé l'histoire plutôt par le côté très vivant du personnage, des scènes qui donnent lieu à des choses un peu trépidantes, un peu, c'est presque des picaresques par moments, enfin, ça se passe sur place, mais... Il y a un petit côté pied nickelé dans la façon dont dont lui et puis à la suite les autres prisonniers se révoltent contre leur garde. Moi c'est ça qui m'intéressait de raconter, c'était ce côté très... cette formidable énergie pour réagir et pour pas se laisser faire, quoi. Il dit « je vais vivre ici donc je vais essayer d'améliorer mon quotidien ici ». Et donc tout de suite il commence à se battre, à se révolter, à faire les 400 coups. C'est un enfant des rues déjà, hein, donc il a déjà appris à jouer au chat et à la souris avec la police quand il était vendeur de rue à Médine. Et donc quand il arrive en détention à Guantanamo, les flics ont changé, mais il sait aussi qu'il faut jouer avec ça. Il comprend très vite que c'est en... Si on met le boxon, en fait, en général, c'est les troufions, c'est les gardes, c'est les gardiens qui par désœuvrement, parfois par sadisme, vont priver les détenus de nourriture ou vont leur infliger toutes sortes de brimades, de coups, la musique à fond, l'éclairage, etc. Et Mohamed, donc c'est eux qui font ça, mais ce n'est pas les instructions d'emmerder les prisonniers comme ça, il faut juste garder. Donc c'est l'initiative des gardes qui s'ennuie, et Mohamed comprend très vite que s'il met le boxon, ça va faire du bruit et les gradés vont venir. Et les gradés vont un peu rétablir la discipline. Donc c'est une façon de faire remonter l'information, comme on dit. Et ça lui permet d'améliorer les conditions de détention, les siennes et celles des autres. Donc c'est comme ça qu'il se bat, et il se bat jusqu'à la fin, hein, c'est ce qu'on raconte. Même quand sa libération a été prononcée, qu'il passe donc dans un camp... Iguana qui est plus cool, quoi, où ils ont des chambres à plusieurs, ils peuvent regarder la télé, ils peuvent se promener, ils ont des horaires libres, ils ont la télé, les tables de ping-pong. Il y a quand même des choses qui ne vont pas et il recommence à se battre et du coup il retourne en cellule d'isolement. Donc il s'est battu tout le temps. Ouais. C'est ça qui m'intéressait de montrer, c'est cette vie, cette énergie, tout ça.